Axel de Tarlet, les Galeries Lafayette rachètent la redoute. Ce sont là deux marques euh, iconiques, comme on dit, et plus que centenaires. Oui, parce que les Galeries Lafayette datent de 1894 et la redoute date de 1837, sous Louis-Philippe. À l'origine, c'était un, un fabricant de laine à Roubaix qui était installé. Rue de la Redoute et qui a eu l'idée de vendre ses surplus de laine par correspondance. Ça semble un pourquoi tu lui vendais, oui. Voilà, bah, bah, voilà comment on est né <laughs> le fameux catalogue de la Redoute qui va ensuite s'étoffer avec toutes ses rubriques, qui va dépasser les 1000 pages, etc. Sauf que la Redoute n'a pas résisté au tsunami Internet. L'entreprise a bien failli disparaître. Il y a quatre ans, elle a été vendue pour un euro symbolique à ses salariés et, et c'est là où c'est suffisamment rare pour être souligné, eh bien en quatre ans. La redoute va totalement se réinventer sur Internet. On peut parler d'une véritable résurrection. Alors comment Eh bien, fini le gros catalogue où l'on trouve de tout. Aujourd'hui, la redoute s'est recentrée sur deux articles, la mode et la déco. Et puis surtout, pour réussir sur Internet, on le sait tous, il faut une logistique impeccable, il faut une livraison impeccable, d'où un nouveau centre d'expédition ultra automatisé qui est capable de traiter une commande en à peine... Deux heures contre deux jours auparavant. Eh bien, c'est cette histoire, c'est cette résurrection de la redoute qui intéresse aujourd'hui les galeries Lafayette, les galeries Lafayette qui sont à la traîne, on peut le dire sur Internet, car on voit bien que partout dans le monde maintenant, dans, la, dans le commerce, l'avenir est de mixer les deux modèles, donc la vente en magasin plus la vente sur Internet. Alors, justement, voilà. Axel, comment vont s'imbriquer ces deux modèles Est-ce que notre façon de faire les courses va changer Oui, totalement. Alors, pour réussir ce mix, il ne faut pas simplement mettre sur Internet ce qu'on propose en magasin. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut en fait garder le meilleur des deux mondes. Alors, c'est quoi le meilleur d'Internet C'est un, la simplicité et deux, l'assurance du prix bas parce qu'on peut comparer les prix sur Internet. Et le meilleur du magasin en dur, c'est quoi eh bien, c'est le plaisir. Plaisir de voir, plaisir de toucher, de flâner, mais pas forcément d'acheter. C'est ce qu'on appelle maintenant l'expérience client pour ensuite éventuellement acheter sur Internet. Alors, il y a un exemple La Redoute le mène. La Redoute a ouvert quatre magasins en dur de mobilier où, elle, où on peut voir des lits, des canapés, des fauteuils. Et l'objectif n'est pas de vendre ces lits, mais de donner envie de les acheter. Le magasin est devenu showroom et eh bien écoutez on souhaite bonne chance aux galeries Lafayette et à la Redoute qui constituent le dernier acteur français en termes de grand magasin et quand même au passage un sacré bravo euh, à ces salariés de la redoute qui résistent face à l'ogre Amazon. Axel de Tarlé, Hélène Jean Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça engage une réflexion sur l'aménagement urbanistique ou géographique. On a connu depuis 50 ans la désertion des centres-villes avec des magasins de proximité qui ont fermé et euh, donc des banlieues, des périphéries qui se sont remplies d'énormes magasins. Si effectivement on est sur un commerce en ligne, qu'est-ce que ça va devenir tout ça Le risque, quand même, qui n'est pas, pas anodin en termes d'emploi, c'est que les magasins se vident de leurs marchandises et. Toutes ces marchandises se retrouvent dans des hangars, euh, on ne sait où. Et en termes d'emploi, quand même, ça veut dire quand même la fin de, du, du, de beaucoup d'emplois en centre-ville qui manipulaient tout, tout cette, toute cette marchandise.